Salut, c'est Fred, j'espère que tu as la forme. Je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais parler d'un bouquin. Tu l'as sûrement vu donc en titre. C'est le livre « Les manipulateurs sont parmi nous » qui est paru en 1997. C'est un livre de Isabelle Nazar-Aga qui est experte en manipulateur. Alors, ce bouquin, je l'ai, mais je l'ai prêté, donc je ne l'ai pas avec moi pour te faire voir la jolie couverture. Donc voilà la feuille que je me suis imprimée pour te présenter ce livre dans cette vidéo. Mais ça me tient vraiment à cœur de te le présenter parce que c'est un super livre, très simple à lire et très complet. Il est vraiment génial quand on s'intéresse à la manipulation, enfin au manipulateur, pas à la manipulation, mais à la manipulation dans le sens des manipulateurs. Comprendre et déjouer comme ça les mécanismes des manipulateurs. Ça permet aussi d'identifier, grâce à ce bouquin, tu peux facilement du coup identifier quels sont les manipulateurs, le type de manipulateur, et elle te donne également des outils qui sont vraiment efficaces pour contre-manipuler, histoire de te dégager de cette emprise, tu vois, qu'ils peuvent avoir sur toi très facilement. Il y en a qui sont vraiment très très doués. Donc voilà, c'est un super bouquin que je te recommande vraiment. Comme tous les autres que je te recommande à chaque fois d'ailleurs. Donc les manipulateurs sont parmi nous. Comme je te l'ai dit, c'est Isabelle Nazar-Aga qui a fait ce bouquin. Je te lis vite fait c'est quoi un petit peu son parcours en fait. Elle est psychothérapeute, formatrice, conférencière et auteure. Elle a commencé à pratiquer dans son cabinet à Paris en 1990. Elle est spécialisée justement dans les manipulateurs, aussi connus sous le nom de perverse narcissique en psychanalyse. Et elle a une grande expérience en fait dans l'aide et le soutien aux victimes dans des contextes domestiques, professionnels et familiaux. C'est vraiment un super bouquin et la nana est super calée dans le domaine. Elle a fait d'autres livres aussi, je te laisserai découvrir ça si ça t'intéresse. D'autres bouquins autour de la manipulation dans le domaine de la famille, enfin il y a pas mal de choses. Et à la fois aussi un coffret, les manipulateurs sont parmi nous. Je me suis pas encore intéressé vraiment au contenu de ce coffret, mais ça a l'air assez intéressant. Il y a des cartes, c'est une sorte de jeu, c'est intéressant comme truc. Mais je sais pas encore qu'est-ce que c'est exactement. Si tu connais d'ailleurs, si tu connais le coffret, dis-le moi en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça contient, de quoi ça traite exactement. Voilà, j'aimerais bien en savoir plus. Donc si tu connais le coffret, dis-moi ce que c'est que ce super truc là, ok? Que ça me donne envie de l'acheter. Voilà. Pour l'instant, j'ai le bouquin et il est vraiment extra. Enfin, là, je l'ai prêté. Mais sinon, voilà, il est vraiment super. C'est un livre que tu peux lire et relire, comme tous les bouquins que je te présente d'ailleurs. À chaque fois, tu vas relire le livre. En fait, il y a toujours des choses que tu vas apprendre. Tu vas découvrir en fait chez toi, parce que c'est toi qui te transforme. Hein. D'une lecture à une autre, c'est pas le livre qui change, c'est toi qui a changé. C'est pour ça que tu perçois les choses différemment. Et donc, c'est un livre vraiment très enrichissant sous ce plan-là aussi. Donc, ça permet de se poser des questions aussi sur son propre fonctionnement. C'est vraiment pertinent. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait comme effet. Donc, peut-être que c'est ton cas. Si tu connais ce livre, d'ailleurs, pareil, parle-m'en aussi. Hein. Dis-moi si tu connais son bouquin ou d'autres livres qu'elle a écrits. Je suis vraiment curieux d'avoir ton avis là-dessus. Moi, je le trouve vraiment extra. Je voudrais te lire le résumé. Voilà, parce que ça résume bien les choses. Hein. C'est le but d'un résumé. Il y a des résumés, des fois, qui sont un peu pourris. Mais là, je trouve qu'ils résument bien le truc. Donc, ça dit « Apprenez à repérer les manipulateurs, à comprendre leurs méthodes et à leur résister. Il me pompe toute mon énergie. Dès que je lui parle au téléphone, je me sens mal. J'étais bien loin d'elle pendant les vacances. » Tu vois, ce genre de phrase comme ça. « Si vous ressentez un tel malaise avec une personne de votre entourage, c'est peut-être qu'une personnalité manipulatrice est en train de prendre le contrôle de votre vie. Derrière des masques aussi diverses que la gentillesse, la séduction, la générosité ou la timidité, les manipulateurs sont habiles pour vous culpabiliser, communiquer de manière floue, mettre en doute vos capacités, utiliser la flatterie pour parvenir à leur fin et se poser en victime quand cela leur est utile. » Ouais. Comment repérer ces rongeurs d'énergie? C'est exactement ça, hein, c'est des rongeurs d'énergie, hein, ils te bouffent comme ça. Il y a le livre que je te parlais de James Redfield, de La prophétie des Andes. Tu as vraiment cette mise en lumière de ce système de pomper l'énergie comme ça. Moi, ça me fait tout de suite écho à ça, donc c'est pour ça que je te parle de ça. Je t'invite à regarder la vidéo également dans le coin des lecteurs, la playlist. Il y a la vidéo sur les bouquins de James Redfield. Si tu connais pas, c'est vraiment super, je te recommande vraiment aussi.
Je t'en dis plus justement dans la vidéo en question. Donc, comment repérer ces rongeurs d'énergie, démasquer leur fonctionnement et leur résister? Grâce à ce livre, prenez conscience de l'étendue des dégâts que causent les manipulateurs. Apprenez à communiquer avec eux avec une certaine indifférence, la contre-manipulation, et gagnez en détermination pour vous affirmer et parvenir à vous libérer de leur emprise. C'est vraiment un super livre et la promesse, elle est tenue. Elle est vraiment tenue dans ce résumé. Donc, il y a tout un tas de questions aussi. Je crois que c'est les 32 questions qui permettent de définir le type, si c'est un manipulateur ou pas, et le type de manipulation également. Enfin, tu verras, il y a plein de choses, plein de formes de manipulateurs, en fait, qui sont abordées. Le sympathique, le... Je sais plus les termes, donc je veux pas dire de conneries. Mais voilà, donc c'est vraiment un super bouquin. « Les manipulateurs sont parmi nous » de Isabelle Nazar-Aga. Et voilà, je te le recommande vivement. Donc, voilà. Tout simplement, je te mettrai comme d'habitude dans le lien dans tous les liens qu'il faut, plutôt dans la description de la vidéo. Voilà, tu auras l'ISBN, tout ce qu'il faut pour commander le bouquin chez ton libraire favori, comme d'habitude. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à, hein, tout simplement. Tout simplement. Donc, bien, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Je t'invite comme d'hab à liker, commenter, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ose vivre ta vie parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire, comme d'habitude. Voilà, et prends soin de toi un maximum. Un maximum, et pour de vrai, prends soin de toi, pour de vrai, pas pour de faux, non, pour de vrai, yes. Allez, je te dis à demain pour une prochaine vidéo, ciao, ciao, bonne journée à toi, hein, si on est le matin, et bonne soirée si on est le soir, bon, allez, ciao, ciao.